Le chef de file de l'opposition invite un règlement définitif du différend né de la dernière élection présidentielle, l'arrestation le week-end dernier de deux membres de la dynamique Monseigneur Capozzo, DMK, laisse d'indignation du côté de l'opposition togolaise qui continue de clamer haut et fort la libération des détenus. L'Union des Forces pour le Changement, UFC, Gilles Christ Olympio a dans un communiqué exigé la libération immédiate de Gérard Joss et de Brigitte Adjamagbo Johnson, partie de l'opposition. L'UFC à travers son président fondateur n'approuve pas les conditions dans lesquelles les interpellations des deux membres de la DMK sont intervenues. Le chef de file de l'opposition estime que cela ne participe pas à l'apaisement du climat politique déjà tendu. Le président national de l'UFC et chef de file de l'opposition togolaise déplore les conditions de ces interpellations qui ne sont pas de nature à préserver l'apaisement du climat politique en construction avec courage et abnégation depuis plus d'une décennie dans notre pays. Peut-on lire dans la note conjointement signée par le secrétaire général de l'UFC, Teddy Edwards Mensa, au nom du président national du parti, Gilles Christ Olympio. Par conséquent, le président de l'UFC demande la libération de Mme Brigitte Adjamagbo Johnson et de M. Gérard Joss et le dénouement politique définitif de différends nés de la dernière élection présidentielle.